Des roses blanches jetées à la mer comme un symbole pour ces élèves rochelais qui ont travaillé sur l'histoire esclavagiste de la cité. Ils partaient du port de la Rochelle. Et ensuite, ils récupéraient les esclaves et ils allaient en Amérique pour les vendre et récupérer des... Tu sais comment ça s'appelait, ça ? Le commerce triangulaire. C'est ma faute. Au XVIIIe siècle, plus de 400 bateaux partirent des côtes pour se livrer à ce commerce. Invité ce matin à la commémoration, le maire de Port-au-Prince. Haïti fut la première à se rebeller contre la traite. Elle veut se souvenir, mais pas seulement pour le passé. C'est bien aussi à tout le monde de se souvenir, c'est important. Et pour le futur surtout, parce que jusqu'à présent, il y a des formes d'esclavage partout dans le monde. Et je pense que cette cérémonie aujourd'hui a marqué beaucoup. C'est beaucoup important pour nous autres, haïtiens, mais c'est pour l'humanité en général. Sur cette histoire tragique à présent, on tente de reconstruire une coopération forte, se met en place entre La Rochelle et Haïti. Depuis déjà 10 ans, des liens se sont faits sur le thème de l'éducation. Donc nous accompagnons des programmes éducatifs, notamment de formation professionnelle. Mais comme nos liens amicaux se sont renforcés avec monsieur le maire, le lien avec le maire de Port-au-Prince, eh bien nous allons aller sur le champ culturel. Des artistes haïtiens sont actuellement à La Rochelle. Et puis probablement sur des liens économiques. Des efforts salués par les associations qui souhaitent néanmoins qu'au-delà des commémorations, La Rochelle soit plus explicite sur son histoire. Dans la ville, il y a des lieux de mémoire qui ne sont pas visibles. Donc on aimerait qu'en arrivant à La Rochelle, le touriste lambda, le nouvel arrivant, il y a beaucoup de gens qui arrivent à La Rochelle, on doit sans arrêt nous refaire ce travail, leur redire, parce qu'ils ne savent pas que La Rochelle est un port négrier, parce que ce n'est pas inscrit, il n'y a pas de plaque explicative. Du chemin reste encore à parcourir pour une mémoire apaisée, car totalement assumée.